et nous sommes bien ensemble sur la voie du paysan. 97 MHz, fréquence préférentielle. Là, le bruit, c'est la musique, c'est les chants. Nous, on est très contents de les accueillir chez nous. Moi, je suis super contente d'être là et de faire de la musique avec la famille Konaté. Super accueil. Il fait très chaud chez vous, par contre. Je pense qu'ils passeront un très bon séjour. La voix du paysan, fréquence préférentielle, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette interview exclusive avec nos amis suisses et qui sont d'accord, nos amis donc de Chambéry et qui sont là de passage à Waïguia pour une création musicale. Ok, et ensuite, nous on prend des cellules comme a fait Daniel. De faire ça, c'est bien de faire les aigus et les basses. Vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir jouer la musique, de se rassembler autour de la musique qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que nous, on a un programme musical qu'on bosse, nous, Fanfare, etc., à Chambéry. Donc là, on bosse avec Badema, la troupe Badema. Et donc, du coup, on fait vraiment un échange musical, c'est-à-dire qu'on amène nos morceaux, on donne un morceau, on joue dessus, après eux jouent dessus, voient comment on s'intègre, quel plan on fait, comment on joue nos morceaux. On s'intègre et après on bosse un morceau de la troupe Badema. Pareil, à nous de s'adapter dans les thèmes. Puis c'est vrai qu'on a la chance de jouer avec une troupe qui sont vraiment super. Enfin, on partage vraiment des moments musicaux super, super sympas. Même si c'est des instruments qui sont très différents, des tempéraments musicaux qui sont très différents, on arrive toujours à trouver une cohésion, à trouver un terrain d'entente et puis à faire quelque chose d'intéressant ensemble. Vu comme c'est parti ici, et vu l'entente qu'il y a entre tous les musiciens, et puis le respect qu'il y a entre chacun, l'écoute qu'il y a, qui est vraiment super, quoi. Parce que tout se passe par l'écoute. Nous, on joue souvent de la musique écrite, on a une tradition de musique où on lit les partitions. Ici, c'est tout par l'écoute, donc on apprend à se connaître, on apprend à s'écouter, à s'entendre, à s'aimer, tout ça. Enfin, je trouve ça super. La fanfare, moi je dirais qu'ils sont tous des musiciens professionnels, qui maîtrise très bien les instruments et nous la troupe Badema, bon, on essaye de façon de s'insérer dans les répertoires et vice versa. C'est un travail de création. Je pense que c'est le travail qui paiera, quoi. Il faut bosser, donc on a 2 semaines de travail. On va enrichir vraiment notre répertoire par le biais de cette rencontre. Voilà, nous sommes 11 musiciens, ravis encore une fois d'être avec la troupe Badema. Pour nous, c'est vraiment un super projet. C'est le super projet depuis que cette fanfare existe. Et en fait, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un projet d'une telle envergure et j'espère qu'il y en aura d'autres. Au-delà de la simple rencontre musicale, je crois que c'est aussi une rencontre culturelle. L'intérêt d'un séjour comme celui-ci, c'est aussi d'aller vers les gens, d'essayer de comprendre un peu Waïguia, son mode associatif. We'll be right back.
va où? Et là, on va à Kalo, c'est à une trentaine de kilomètres de Beguia. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Bon, là-bas, c'est juste pour jouer à une fête. C'est une invitation des Badémas, mais vite que vous êtes là. Et donc, et nous, nous trouvons très bien que vous jouez avec nous pour partager ce moment idéal ensemble. D'accord. Voilà, les conditions de voyage, je pense que ce qu'on voulait constater, c'est très bien, on essaie de faire avec. D'accord. Et on dort où après? Et après, c'est à Rime, c'est à quelques kilomètres de là où on va. Et à Rime, on va faire une petite création avec la troupe locale de la place. Thank you.
que la base est chaude. Après, avec la boue, ouais, ça, tu vois. Ça, c'est des éléphants. Ouais, tout ça. Des petits colis dedans. Quand tu poses, tu fais, tu prends, ça y est. Les escaliers sont en papier, bon, les escaliers parler, sont en papier. On a prévu aussi des soirées à la Z. Je m'appelle Alex. Yo puedo estar.
Ndata. Comment ça s'appelle ça? Ndata Arachid. Vu la taille, je parais tout petit à côté. Vous les connaissez? On peut essayer? Pas attends, Daniel. Elle pourrait pas l'envoyer. Faut soulever. Alex, faut soulever. Allez, faut soulever. Oui, allez, allez. Voilà. 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 Yeah, Rastaman. Hold it.